Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage d'un colis que je viens de recevoir, donc qui me vient de la boutique Scrap Colors. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est des nouveautés et du coup, on va découvrir ça ensemble. Alors j'ai juste ouvert là, voilà, au niveau du scotch et j'ai pas regardé dedans puisque on le découvre ensemble. Donc, on va l'ouvrir. Hop. C'est un gros carton quand même. Il est quand même. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il me tente trop de le voir. Donc, c'est super bien emballé. On a du papier. Voilà. Voilà. Donc, on a ceci. Donc, je pense que c'est le nouvel album Commode à personnaliser qu'elle a sorti. Alors, elle m'en avait parlé et il me tardait trop de voir ce que c'était. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça a l'air magnifique. Juste comme ça, là, ça a l'air waouh. Juste, hein, vous êtes d'accord avec moi? Rien que les découpes et tout. Alors, déjà, il y a une notice. Donc. Là, voilà, en fait, à quoi ça va ressembler. Et ça a la forme de cintre. Voilà. Donc, il faut monter la petite boîte. Et après, on a les tags et les découpes. C'est magnifique. Franchement, c'est une tuerie. Et en plus, elle a fait un plan explicatif. Voilà, j'adore, j'adore. Alors. Il y a des pages comme ceci en forme de cintre. C'est trop chouette, franchement, j'adore. C'est grand quand même. Alors, je suis désolée pour la lumière, mais il fait super chaud. Donc, c'est fermé et de toute façon, il fait gris parce que je pense qu'il va y avoir un orage. Donc, ça va rafraîchir un peu. Mais bon, et comme je pars demain en vacances, du coup, voilà, c'est un peu rangé et je voulais absolument faire la vidéo et l'ouvrir avant de partir parce qu'après il faut attendre 15 jours, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, ce qui explique un peu la mauvaise lumière. J'en suis désolée. Donc, nous avons des cintres. Alors, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Est-ce qu'il y a marqué là? Il y a 12 feuilles cintres. Il y en a. Franchement, c'est top. Ensuite, nous avons les embellissements et pour monter la boîte, ça va être trop beau. Oh, presque je le prendrai en vacances pour le faire en vacances. Bon. Alors, nous avons les pieds. Voilà, il y en a deux. Et alors moi, ce que j'aime, c'est que je suis pas très bricoleuse, mais en général, c'est quitte à Scrap Colors, j'arrive à les monter sans problème. Et du premier coup, franchement, voilà. En plus, il y a les emplacements à chaque fois, c'est top. Donc, de toute façon, on le fera ensemble. Et dès que je rentre, on le fait. Donc, il y a les pieds, il y a les côtés. Donc, il y en a deux. Il y a. Oh! Désolée. Donc voilà, pour monter la boîte, je sais même plus où j'en étais. Le fond, là. Et on va découvrir les embellissements. Ils sont magnifiques. Alors, on va mettre les lunettes, comme ça, on les verra mieux. Franchement, j'adore. Je sais qu'elle m'a dit qu'il y avait plein de nouveautés qui arrivaient. Nous avons un magnifique sac à main. Il est trop beau. Regardez-moi les gravures. C'est magnifique. Franchement, les chaussures, les escarpins. Alors, ceux-là, moi, je les adore. Nous avons un buste. Des petites volutes. Oh, ça, j'adore. Ah, en fait, j'adore ça. Nous avons un cadre comme ceci, l'intérieur du cadre. Alors ça c'est bien parce que si on veut faire le cadre d'une couleur et
mettre le papier sur celui-là ou le mettre une autre couleur. Du coup, on peut, c'est vraiment... Oh là là, j'adore. Et après, on peut le mettre dedans. Voilà. Comme on peut s'en servir séparément. Ça, c'est top. J'adore. Nous avons le miroir. Il est trop, trop beau. J'adore. Ouais, je sais, mais nous avons la dame ou la princesse. Moi, je dirais que c'est une princesse. Mais... Après, chacun a son interprétation. Et nous avons un magnifique cadre. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'adore. Vraiment, c'est une pure tuerie. Franchement, je ne sais pas si je vais partir en vacances finalement. J'ai trop envie de le faire. Là, waouh. Là, c'est trop, trop beau. Donc, voilà. Dès que je rentre à la rentrée, donc au mois de septembre, je vais le faire. Enfin, c'est sûr, je ne vais pas tenir plus longtemps. Hop. Je vais faire doucement, pas les perdre. Hop. Je vais le mettre à part parce que je vais l'abîmer. Non, ça a gardé précisément. Là, franchement, c'est une tuerie. Je le range là. Et ensuite, elle m'a mis. Alors, ça, c'est une nouveauté aussi et j'adore. En fait, elle a sorti des clés USB personnalisées en bois. Donc. Et c'est une clé USB. Et ça, c'est top, franchement. Et après, vous le gravez comme vous voulez. Donc, moi, elle me l'a gravé à mon nom et famille. Voilà. Je suis désolée. J'espère que vous le voyez. C'est magnifique. Là, alors du coup, elle personnalise comme vous voulez. Je sais pas si elle a mis en boutique encore ou pas, parce que j'avoue que ces derniers jours, j'ai pas été trop sur Internet. Et franchement, j'adore. Voilà. Donc, c'est une super idée. Je sais qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent là. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, ça, j'adore. Désolée. Donc, on continue. Alors, ma gentille mamie, alors j'adore, c'est des boutons embellissement toga. Donc là, les roses, il y a des strass. J'aime beaucoup. Et en plus, il y a 50% dessus. Il y a plein de promos sur la boutique. N'hésitez pas à aller voir, franchement. Et pareil, elle m'a mis des jolies strass. Alors, ça ressort pas beaucoup, mais c'est rose pâle. Voilà, rose, j'aime beaucoup. Et pareil, il y a 50%. Ensuite, on m'a mis des jolis nœuds. Alors, c'est des trombones avec des jolis nœuds dans les roses pailletés et en feutrine. Voilà, il y a paillettes et feutrine. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, oh, c'est beau. Elle m'a mis aussi des masques vénitiens. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, les masques carnaval. Il est magnifique. Pareil, il y a 50% dessus. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, oh là là là. Elle m'a mis des nouvelles découpes. C'est juste magnifique. Alors, on va regarder ça ensemble. D'ailleurs, pendant mes vacances, vous aurez un tuto album photo naissance. Où je me suis servi de découpe, vous verrez ce que ça donne, notamment ce magnifique cheval, il est trop trop beau, voilà. Et des petits canards, oups, ils sont trop trop beaux, et le petit bébé, il est beau, regardez la bouille qu'il a, moi personnellement, j'adore, c'est trop 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 joli, franchement. Vous verrez sur l'album photo, alors c'est pas un album de Stratcolor, ça c'est un album naissance, mais moi je l'ai décoré plutôt nature, avec des découpes comme ça bébé, c'est juste magnifique.
Donc, vous verrez ça. Alors, je pense que vous le verrez après cette vidéo, puisque là, je vous dis, je pars en vacances. Et j'ai déjà préparé des vidéos, mais cet album, vous l'aurez en tuto que lorsque la personne aura accouché, que je l'aurai offert, pour pas qu'elle le voie. Voilà, parce que... Oh, c'est beau, ça aussi, c'est des nouveautés que je pense pas les avoir vues. Et comme je les ai pas, c'est que c'est des nouveautés parce que je me souviens que j'avais pratiquement toutes celles de naissance qu'elle avait sorties. C'est trop beau, regardez. C'est beau. Oh, regardez le petit bébé. Il est trop choupinou. Et la girafe. Franchement, c'est une tuerie. J'adore. Et 2,30€ les trois, franchement, c'est pas cher. Parce que je vous rappelle que c'est du Made in France, que c'est elle qui les fait. Donc, ensuite, je découvre avec. C'est juste magnifique. On va passer un peu dans le monde féerique avec des nouvelles fées. Je découvre avec vous, ouais, Ah, c'est magnifique. Une magnifique baguette magique. Elle est trop, trop belle. Une maison champignon. Ouais, j'adore. Ça irait super bien avec l'album que j'ai à faire, là, fait. Oh, et celle-là, elle est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. Là, et puis en plus, ça m'a gâtée. J'en ai plein. Hein. Vous voyez, je suis trop contente. Mais bon, elle m'a trop gâtée encore. Ensuite, ça, c'est nouveau aussi. Je pense qu'elle a mis que des nouveautés. Hein. Parce que là, au premier abord, elle me disait rien. Et c'est trop, trop, trop joli. Pour un album de vacances, regardez les petits palmiers avec la petite île. Ça, c'est trop beau. Ça, avec un shaker pour un album vacances sur une couverture. Le travailler avec du sable, et franchement, c'est trop joli. Et le mot Aloha, magnifique. Avec le soleil, le petit cocktail. Franchement, la petite fleur, la petite étoile de mer. Il faut vraiment avoir l'idée pour faire ça. C'est trop, trop, trop joli. J'adore. Du coup, alors ça, je ne sais plus. Parce que comme j'ai vidé beaucoup de papier, je ne sais plus si j'ai sur le thème vacances. Je regarde. Mais j'adore. Vraiment trop, trop beau. Oh, et ça aussi pour les vacances. Nouveau aussi. Je crois que je vais arrêter de vous le dire parce qu'en fait, je crois que tout est nouveau. Elle a sorti les tongs. Elles sont magnifiques. Donc ça, avec ça, c'est top. J'aime beaucoup. Et le bus. Enfin, le... Comment ça s'appelle? Il y a un nom pour ça. Le van, je crois. D'ailleurs, ça me fait penser à une collection de papier Mintei by Carola et un kit van qu'elle a. D'ailleurs, je l'ai. Peut-être je vous le referai après la rentrée, si j'ai le temps. Parce que j'ai beaucoup de trucs à faire à la rentrée. Je n'ai pas pu rattraper mon retard. Du coup, ça va être compliqué. Ensuite, nouveau aussi. Pareil, on reste dans la mer. Une magnifique sirène. Elle est magnifique. Et, oh ouais. Franchement, Irène, il fallait y penser. Elle a fait une bouteille avec un bateau dedans et tout. Le phare, les oiseaux, c'est juste splendide. Je savais qu'elle travaillait sur des nouveautés, mais là, franchement, c'est une pure merveille. C'est top. Franchement. Et puis en plus, j'ai été gâtée. Hein. Je sais que je le répète, mais on va rester dans le thème de l'été, des vacances, avec d'autres nouvelles découpes. Et c'est magnifique. Oh là là. Regardez-moi ça, les cocktails. L'ananas, les cocktails. C'est trop beau. Avec le petit
parasol dans le cocktail et tout, la petite paille. Franchement, c'est une pure merveille. J'ai que ça à dire. Le flamant rose avec. J'adore ces fleurs. Alors, elles ont un nom, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais elles ont un nom, ces fleurs. C'est magnifique. Là, celles qui veulent faire un album photo thème vacances, c'est top. Il faut que je trouve une collection de papier pour aller avec et pour faire un album. J'ai trop envie de faire un projet avec en fait. Encore des nouveautés, c'est trop choupinou. Pour les bébés, pour les albums naissance, c'est trop choupinou. Elle a fait les petits bébés. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, comme ça. Comme ça. C'est bien parce que du coup, ils sont inversés et c'est top. Et un autre comme ça. Et les trois, 2,20 €. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher. J'adore. Je suis aux anges. Là, waouh. C'est Noël avant l'heure, je lui dis. Oh là là, ça aussi. On reprend sur les vacances. Et c'est trop beau. Je kiffe. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'adore. Vraiment trop, trop beau. Et alors ça, c'est un totem, je pense. Regardez ça. Les détails et tout, là, franchement, c'est top. Elle a de ses idées. Moi, j'adore. J'adore. Waouh. Voilà. Quand je vous dis qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, encore des nouveautés. Et alors là, j'adore. C'est des knobs. Voilà. Donc, trop, trop beau. Là. Ensuite, une nouvelle fée. Alors ça, elle est trop belle avec le petit cœur. J'adore. Je sais, mais je le dis que ça, mais parce que c'est vrai. Franchement, c'est une tuerie, quoi. Regardez-moi cette lanterne. Trop, trop beau. Là, j'ai vraiment du mal à pas le prendre en vacances quand même. Hein. Je vous avoue que là, les regarder juste avant de partir en vacances, j'avoue que je les prendrai bien, hein, mais je vais me faire engueuler. Il n'y a pas de place. Encore des nouveautés avec les gnomes. Et alors, nous avons deux filles. Une comme ça. Elle est trop choupine. J'adore. Et une comme ça. C'est presque les mêmes, hein, sauf que c'est les détails qui changent. C'est trop beau. Et celui-là. C'est trop, trop beau. Voilà, j'adore. Je sais pas quoi dire, hein. Je ne sais pas quoi dire d'autre que c'est magnifique. Elle est toujours pareille, c'est dans les 2,20 €, 2,40 €, franchement. Et waouh! Sur le thème de la mer aussi, regardez-moi ça, c'est trop joli. Une sirène, c'est magnifique. Waouh! J'adore. Et le bateau pirate, c'est trop beau. Là, franchement, c'est que du bonheur. Oh là, je pense que je vais faire un gros, gros stock au Salon Créatif de Toulouse. Donc d'ailleurs, pour info, il est, je crois, le mi-octobre. Je sais plus, je crois que c'est le 14 ou 15, un truc comme ça, c'est la deuxième semaine d'octobre. Donc voilà pour les découpes, ça y est, c'est fini. Et franchement, j'ai été super gâtée. Regardez-moi tout ça, je suis aux anges. Et comme si ça suffisait pas, Mani, deux collections de papier princesse. Et vous savez que c'est une collection que j'affectionne particulièrement
Pour moi, c'est Sissi. Et franchement, avec ce kit-là, waouh, trop, trop beau. On va la regarder ensemble. D'ailleurs, il me semble qu'elle est en promo. J'ai vu ça dans, je sais pas, une semaine. Et franchement, ça vaut le coup. Donc, je vais vous la remontrer quand même, pour celles qui ne l'auraient pas vue. Elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Alors, s'il y a des accros de Sissi, l'impératrice comme moi, vous pouvez qu'aimer ces papiers. C'est juste magnifique. On dirait vraiment Sissi. Enfin, moi, pour ma part. Après, c'est les princesses. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Là, ça, là. Alors ça, par exemple, on pourrait s'en servir pour faire style la boîte. Bon, après, je sais pas, hein, d'ici là, je verrai, mais je vous dis mon premier avis comme ça. Là, c'est juste magnifique. Regardez-moi ces portes, les princesses, comme elles sont belles. Moi, je sais que je me suis régalée, j'avais fait deux albums avec et je m'étais régalée. Et d'ailleurs, je comptais en reprendre une parce que, regardez-moi ça, c'est magnifique. Cette collection, c'est waouh. Avec les portraits, ouais. Sissi, hein. Oui, même avec le cheval et tout, pour moi, c'est Sissi. Trop, trop beau. J'adore. Regardez-moi ça. Là, avec ces magnifiques plumes. C'est waouh. Là, je suis aux anges. Vraiment, entre tout, là, je... Waouh. C'est Noël. Pourtant, on est en août, mais c'est Noël. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, franchement, avec le kit armoire, là, ça va être trop, trop beau. Je le vois trop bien. Là, les petites lettres, c'est juste... J'espère que vous voyez bien avec la lumière, parce qu'elle n'est pas terrible, la lumière. Hein. Regardez-moi ça. Vraiment, ces éventails et tout, c'est une pure beauté. Franchement, c'est une collection. Moi, je me suis régalée. Mais vraiment. Regardez ça, c'est trop beau. Vivement que je revienne de vacances, en fait. Non, quand même pas. Ah, mais ça va passer tellement vite. Regardez-moi ça. Si je pouvais filmer, ouais, je pense que je le prendrais en vacances. Mais bon, je pourrais pas filmer. C'est trop compliqué au camping. Mais c'est trop, trop beau. C'est juste et tout, là. C'est waouh. Et les parapluies. Voilà. Cette collection, j'adore. Donc, ben voilà. Pour mon colis Scrap Colors. Donc, merci beaucoup, Scrap Colors. Vous êtes toujours trop gentil avec moi. J'adore, je suis trop gâtée. Il me tarde trop de rentrer de vacances pour faire ce magnifique kit. Là, j'ai des idées, mais alors plein la tête entre le kit, les découpes et les papiers. Mais franchement, c'est top. Et en plus, elle a fait un plan avec tout le détail et tout pour que vous puissiez le monter facilement. Donc ça, c'est top. Et je sais qu'elle a passé du temps pour le faire. Donc ça, c'est génial. Non, ben écoutez, merci beaucoup, Irène. Nous, on va se retrouver très, très vite, ben, dès mon retour de vacances pour faire ce kit avec ces magnifiques papiers. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des vidéos, mais je ne réponds pas puisque je n'ai pas de réseau en vacances ou très très peu. Donc vraiment, je peux pas trop me connecter, ça capte pas. Donc tout va bien. Si jamais vous voyez que je réponds pas du tout, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est normal. Donc voilà. Ben écoutez, moi je suis aux anges. C'est Noël avant l'heure. Je vous retrouve à la rentrée ben, pour ce magnifique projet. Et franchement, c'est que du bonheur. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.